Bonjour et bienvenue sur Katia. Celle-là, c'est la deuxième épisode pour faire la bielle. En fait, c'est pas toute la bielle, mais c'est juste la partie haute. Donc, c'est ça l'aperçu au fait de la fin du tutoriel. Donc, allez sur nouveau part, vous mettez son nom ici. Puis, on commence par le plan de face. Puis, utilisez la ligne pour faire ça. Donc, une fois vous arrivez là, cliquez et glissez pour avoir un rayon ici. Maintenant, cliquez et glissez. Lorsque vous arrivez là, cliquez et glissez pour avoir un autre rayon et cliquez et glissez vers ce côté-là pour avoir un autre arc. Voilà. Puis, ajoutez des cotes comme celle-là. Ici, on a 125. Le rayon, c'est 14. La distance ici, c'est 36. Et celle-là, c'est 25. Ici, une distance horizontale de 3,50. Et un angle qui fait 122. 122. Et une relation tangentielle entre ces deux-là, puis une relation verticale entre cet axe et ce point-là. Voilà. Un rayon de 50 pour celui-ci et un rayon de 50 pour celui-là. Je pense l'esquisse est devenue vert. C'est juste que je voulais ajouter un cercle ici de 50 mm et un autre pour ne pas revenir. En fait, on peut le faire après, mais c'est mieux de faire tout dans un qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Je voulais ajouter ce cercle-là avec 18 mm. Et maintenant, on ajoute un axe ici pour la symétrie. Et avec la gomme, on efface ça. Et on efface quoi d'autre? On efface ça. Voilà. Mais maintenant, il est devenu blanc. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la relation de verticalité entre ces deux-là. Donc, je sélectionne tout ça. Et je clique sur symétrie et je sélectionne cet axe là. Maintenant, avec la gomme, on efface ça et on quitte l'atelier. Je mets 7,5 puisque je vais utiliser extension symétrique, aperçu OK,
et je sélectionne cette face là, puis je fais la projection de ces deux entités et j'ajoute un cercle ici avec un diamètre de 60 et un autre ici qui fait une relation entre ça coïncidence, puis une ligne pour que j'efface la partie en bas de ce cercle. De même pour ça, et on a terminé. On peut utiliser maintenant 2,5 de longueur pour l'extrusion et j'ajoute une rainure ici si on utilise un rectangle par son centre. Des côtes, on va les changer après, mais je préfère d'ajouter directement des cercles, puis j'ajoute des relations entre ça et ça, tangente toujours, et une tangente entre ça et ça. Voilà. Maintenant, avec la gomme, j'efface ça et ça aussi, de même pour ça et de même pour ça. Maintenant, il ne reste que d'ajouter des côtes à notre structure. Ça, c'est un rayon de 5 et une distance d'ici jusqu'ici de 45. Mais c'est quoi ça en fait? Faut pas qu'il perde la relation coïncidence entre ces deux là. Voilà, je pense est totalement défini. Avec poche, on met 5 mm. Pour faire la même chose de l'autre côté, je sélectionne ces deux fonctions. Avec miroir, je sélectionne ce plan et on a la même chose dans notre côté. Maintenant, on va aller sur chanfrein avec 2 mm. On va faire chanfrein pour tout ça. Aperçu, ok. Puis, il nous faut emplacement des boulons ici. Donc, je vais créer un plan à partir de celui-là qui a une distance à peu près de 25. Je le sélectionne et je fais cercle ici, un diamètre de 11 mm et une distance par rapport à ça de 30. J'ajoute un axe et je fais la symétrie par rapport à ça. Je quitte, j'enlève la matière vers le haut jusqu'au dernier. Aperçu, ok. Maintenant, je sélectionne ce plan directement. Et de même, je fais cercle avec un diamètre de 7. Une distance par rapport à cet axe de 30. J'ajoute un cercle, j'ajoute un axe, je sélectionne ce cercle et je fais la symétrie. De même, enlèvement de matière jusqu'au dernier. Voilà, vers le bas. Ok. Maintenant, il suffit juste de jouer avec les congés. Donc congés ici on a à peu près 3,
Voilà. Et 5 ici. Et 2 ici. Et un dernier pour 4 mm pour ça. Voilà, la bielle est terminée. Il suffit juste, si vous voulez, d'ajouter, comme d'habitude, des arrondissements avec de 0,2 mm pour ça, par exemple, pour que lorsque vous mettez ça sur Keyshot, vous aurez des bons résultats de réflexion de la lumière sur ces parties-là. Voilà, je cache celui-là. Et merci pour votre attention. Et prochainement, on va essayer de faire la partie d'en bas de cette bielle avec l'assemblage avec des boulons. Voilà. N'hésitez pas de me poser des questions si vous trouvez des difficultés. Et merci de partager mes vidéos et d'abonner à ma chaîne. Au revoir.